La pâte a reposé 3 heures. Dégazage. Super gonflé. Un dôme. Allez, hop. Voilà, comme ça, j'aime bien. Légèrement collante. On va l'étendre un peu plus. Ça sent super bon. Voilà, ça fera bien l'affaire. On va le poser sur son papier sulfurisé. Le recouvrir avec un petit tissu. On se retrouve quand le four est chaud. Le four est bien chaud. Celui-ci, je vais plutôt faire dans ce sens. Voilà. C'est parti pour le four, on se retrouve tout à l'heure. Minutes de cuisson, je vais sortir mes pains, on va les laisser refroidir et les couper, les goûter tout à l'heure. Le pain qui chante.
pour celui-ci, j'ai utilisé une farine fluide T45 avec une mousse d'épeautre T110. Donc ça donne un gros pain. C'est pas vilain. Et on va immédiatement le goûter. Une belle mie, très moelleuse. Une croûte qui a l'air croustillante. Et on va s'empresser de le goûter. C'est pas mauvais du tout, bien croustillant. Très agréable à manger, à recommander et à recommencer sans souci.